Whoop. Juste avant de démarrer la vidéo, j'ai entendu le Québec. Attention, j'éteins. Et 73, le Québec du sud-ouest de France. Ah, Montréal, je crois. C'est une cacophonie, gars. CQE, CQE, CQDX, appel en direction du Québec, appel en direction du Québec de 14 km 3301 qui vous propose un QSY sur le 27 325 27 325. CQE, CQE, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile arrêté depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde sur Saint-Émilion. Alors, je suis pas sûr, mais il m'a semblé entendre quelque chose, mais c'est beaucoup trop au QRP de mon côté. Les 73 à vous, la station de 14 km 3301 Rémi, en push arrêté sur Saint-Émilion, sud-ouest de France. Non, je suis pas convaincu là. Oh non. Voilà où ils sont, le Québec. CQE, CQE, CQDX, appel en direction du Québec-Canada. Appel de 14 km 3301 Rémi, qui vous lance appel et vous propose un QSY sur le 27 325 27 325. Pas sûr qu'il ait entendu. CQE, CQE, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en direction du Québec-Canada depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Saint-Émilion, en push arrêté. Et 73 le Québec de 14 km 3301 Dundee 33 sur Saint-Émilion, le sud-ouest de France. C'est pas gagné. Enfin, pour moi, pour passer. Alors, le Québec passe, c'est super, c'est génial. Bah. Alors, je suis en train de faire une petite vidéo en même temps avec le téléphone. Ouais, c'est compliqué là à montrer là. Ouais, bon, bref. Alors, il y a le Québec là qui passe en ce moment sur le canal 38, le 27-385. Et c'est difficile de les accrocher, tellement qu'il y a deux mondes en fréquence. Thank you.
CQ, CQ, CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction du Québec pour 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 27-325. 2, 7, 3, 2, 5, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en push arrêté depuis le sud-ouest France, QTH Saint-Émilion. Ah bah j'ai des QRM en plus. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec, appel en direction du Québec-Canada pour 14 km 3301 qui vous propose un QSY sur le 27-335. 2, 7, 5, 3, 5. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile arrêté sur Saint-Émilion en direction du Québec-Canada. Ah. Bon, il y aura ça tout à l'heure. Voilà, de retour. New York. Bon, faire un QSY là, c'est pas la peine. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec, appel en direction du groupe des Tannons pour 14 km 3301 opérateur Rémi. Dundee 33 vous lance appel en mobile arrêté sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Ah, ils n'ont pas envie. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 qui
qui lance appel et propose un QSY sur le 27 575 2 7 5 7 5. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 33 01 opérateur Rémi, qui lance appel en push arrêté sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Oui, les 73, j'ai pas eu le temps de reconnaître. 73, 14 km, 33-27. 33-27, les 73 au tourné de 33-01. Voilà, en push arrêté sur Saint-Émilion. Ok, puis tu m'arrives, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, je suis à côté de Libourne. Florent Galbon, te salue. Ah d'accord, ok Florent, c'est vrai que là je ne t'avais pas reconnu. Ah ben c'est un Saint-Ego 5 là de mon côté là. Une radio radio 4-5, oui, radio 5. Et ça passe bien. Enfin oui, vu qu'on est voisins, dire autre chose aurait été dire une connerie. Ah ben ça tombe bien, tu vois que je sais parce que tu connais le TX que j'ai, tu le possèdes aussi, c'est le nouveau, tu sais, c'est le 7009 V. Alors, je vais te faire deux réponses. En BLU, tu sais que les gens détestent ça. Voilà, déjà ça, paf, c'est la première réponse. La deuxième réponse, je dirais qu'il est un peu fort. Oui, il est un peu fort puisque, allez, on va dire par rapport... je suis en train de faire une petite vidéo, tiens, justement ça tombe bien, tu pourras voir dessus ce que ça donne. Je dirais que le volume de l'écho par rapport à ta voix est aux trois quarts. Donc sur une radio de 5, l'écho est à 3,5, on va dire. Ouais, quelque chose comme ça, quoi. C'est au niveau volume de l'écho, hein. Alors non, lui il est au QRA. Là je suis avec le Lincoln 2+. Alors en mobile il m'est plus facile à utiliser puisqu'il a en même temps et en permanence l'affichage canaux fréquences. J'ai les deux en même temps. Hein. Donc c'est vrai que pour moi le Lincoln 2+ est un plus par rapport au CRT 7009 qui lui est rendu au QRA. Donc oui, je me souviens très bien de ce tuto. D'ailleurs, j'avais remarqué un truc, du coup, là, sur le marquage, là, sur la sérigraphie qu'il y a sur la platine, c'est cette inversion entre le volume de l'écho et la vitesse de l'écho. Et donc, la vitesse de l'écho est à mettre au maximum, et le volume de l'écho est à mettre, comme j'avais mis ou dit, je sais plus, 0+1. Et là, c'est vrai que t'es un petit peu haut, là. C'est moi, bon, perso, je m'en fous. Ça me dérange pas. Hein. Je trouve que ça fait sympa. Et puis, pourquoi se prendre trop au sérieux quand c'est pas la peine. Puis après tout, on est là dessus pour se faire plaisir. Hein. On n'est pas là dessus pour faire de la transmission militaire. Hachi trois coups. C'est assez rare de t'avoir, alors là j'en profite un petit peu, je l'avoue.
Ouais, merci. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est d'autant plus compliqué que avec le boulot, ceci, cela, c'est vrai qu'avec avec le forum, avec les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je suis partout, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, puis d'autres aussi, et comme si ça suffisait pas, je m'en suis encore rajouté sur le dos, Hachi, avec Telegram. Il y a du monde aussi de ce côté-là, hein. C'est donc même nom également sur Telegram. Alors le nom mis sur Telegram, eh bien, il a dit à l'identique que le groupe Facebook, c'est-à-dire la planète CB francophone, pour différencier un petit peu du forum où c'est la planète CB francophone. Il y a une petite nuance entre CB et CB. Donc voilà, puis il y a les emails, il y a les messages perso et ceci et cela. Et oui, puis le pro, là je suis au pro d'ailleurs en ce moment là. Là c'est l'une des très rares fois où je suis en journée. J'ai absolument personne autour de moi, c'est nickel. Donc là j'en profite un petit peu. D'habitude je suis plutôt en nuit, et alors là je comprends pas, c'est que d'habitude j'ai plutôt 3 tonnes de QRM là où je suis. Et là en journée c'est pas le cas, donc tant mieux, j'en profite un petit peu. Ok, 33-27 de 33-01, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, là, au pro, en tout cas, là, je suis tout seul. Hein. C'est pour ça que je renais un peu autour de moi. Non, c'est bon, je suis tout seul. Oui, j'ai entendu la propague. Et à propos de propague, je reviens juste de ronde, là, tu vois, là. Et au départ de ma ronde, j'ai écouté un petit peu, comme ça, tac. D'ailleurs, ce sera la première partie de la vidéo, parce qu'elle va être tronçonnée comme celle d'hier, là, en plusieurs morceaux. Tout à l'heure, j'ai entendu le Québec passer, de ça, tac, ainsi de suite. Ça arrive à nouveau. Là, c'est bien parti. Là, je crois qu'on est bien lancé pour la propague hiver. Ça sent bon. Et je remarque que là, on a le Québec à peu près à la même période, au même mois, grosso modo, que c'est le précédent cycle de propague. Ça coïncide. Alors j'espérais entendre un petit peu là dans le week-end Gilles, 9 bravo Charlie 555, mais bon, il doit être trop occupé de son côté là, apparemment. Ah mais attends, c'est vrai que c'est le matin pour de son côté, et vu qu'il est en couple, il doit pas pouvoir faire ce qu'il veut, quoi. Chie trois coups. Ok, je vais te laisser profiter de la propague, très content de t'avoir en fréquence. Bon, je travaille cette vidéo là ce soir, je débouche à 19h. Hein. Donc, ça sera dans la soirée, tu pourras la découvrir demain matin, tiens. Après tout, en guise de petit déjeuner, Hachi, voilà, tu pourras voir ce que ça donne. Ok, Rémi, écoute, je ferai ça. Et pour un coup, je sais pas si tu te souviens, bien. T'étais venu, c'est moi qui t'avais rendu, je sais pas si tu te souviens, c'est le Concorde 2. Eh oui, je sais bien. International. On s'était rencontrés, c'est la première fois que je te voyais d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens du Concorde 2. Mais bien sûr que je m'en souviens, il n'y a pas de problème que je m'en souviens. Je retrouverai pas le chemin pour aller jusqu'à ton QRA, mais je me souviens très bien que tu es presque d'un cul-de-sac. Là, il faut faire demi-tour, tac, pour se garer là devant chez toi. Et sur le toit, tu avais une antenne. Ah, ça y est, je me souviens plus du nom, quoi. Si c'était une antenne fabrication OM de mémoire. Oui, c'est ça, oui. Et t'as la station qui est installée dans le garage contre le mur. Ouais, t'as de la mémoire, ça me fait bout de temps. Ouais, c'est Scoopido. Toujours ma fameuse Scoopido, j'ai eu un problème l'autre jour avec, hein. J'ai descendu, je l'ai refaite, et bien tu vois, c'est reparti avec la fameuse Scoopido. Ouais, je me fais pas plus long, j'ai des choses à faire aussi. Je reste en stand-by et je retourne sur le
Ok, merci. J'espère avoir un petit peu le Québec aujourd'hui, on verra bien. C'est, avec le pro, c'est pas forcément évident, je sais pas ce que je veux. Ok, merci, les 73 à toi, à plus. Alors ça bouge un petit peu, je vois là sous la caméra. Mais bon, ça c'est parce que évidemment j'ai le moteur qui est en route. Donc c'est le stabilisateur là qui fait cet effet un petit peu vague. Mais sur l'autre caméra que j'ai au QRA, alors là c'est bien pire, hein. C'est tempête en pleine mer. Hein. Ah, c'est pour ça que du coup j'ai mis celle-ci à la place. Ils ont le sens du spectacle. Ah, on s'ennuie pas avec les ricains. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile arrêté sur Saint-Émilion. Oh la vache! Non, là, c'est pas la peine. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur EMI, qui lance appel en mobile arrêté depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH, Saint-Émilion. Attention le Québec pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en push arrêté sur Saint-Émilion, le sud-ouest de France. Ah, dans une précédente vidéo, j'ai réussi à les avoir, c'est le QSO des kilomètres. Ah, il devait être 18h30, 18h45. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27 475, 2, 7, 4, 7, 5. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en push arrêté depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Bon, ben, on verra ça tout à l'heure. Oh la vache. Ouais, on verra ça tout à l'heure.
aujourd'hui c'est encore très fort aussi. Hein. Je sais pas si on va arriver à voir quelque chose. Oh, il y a des reflets. Ah, voilà. Là, c'est un peu plus parlant. Hein. Tiens. Là, ça m'arrive de l'Est. Faut dire que là où je suis, là, c'est dégagé à, allez, on va dire 360 degrés, quoi. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile arrêté. Depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Si sur la, la caméra de pare-brise, vous voyez pas grand-chose dehors, c'est normal, je suis au boulot. Alors désolé, mais bon, discrétion oblige. Ah, quand même. C'est l'Allemagne. CQDX. Appel sur la fréquence moniteur des kilobikes pour 14 kilobikes 3301 opérateur Rémi. Qui lance appel en push arrêté depuis le sud-ouest France, QTH Saint-Émilion. Ouais, bon, d'accord. CQDX, appel en direction du Québec, hein. Appel en direction du Québec de 14 km 3301 et qui vous propose un QSY sur le 27-375. 2-7-3-7-5. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi. Qui lance appel en push arrêté depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, QTH Saint-Émilion.
Ah, d'accord. Même en FM, il y a du monde. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301 qui vous propose un QSY sur le 27 465, 27 465. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi qui lance appel en push arrêté depuis Saint-Émilion, sud-ouest France. Oh, la propague est tournée. C'est pas là, à la minute même, que je vais réussir à avoir le Québec. Zut. Oui, 73 à vous, Robert, mobile maritime. De 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile arrêté, sur le sud-ouest France, département de la Gironde, QTH, Saint-Émilion. Ok, mobile, pas de problème. Tu peux revenir sur l'indicatif si tu veux bien, donc ton indicatif. Ok, avec plaisir. Alors, mon indicatif, 14 km, 3301. Non, négatif, c'est Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Ok Rémi, 100% QSL, ici au 113 à toi Rémi, hein, de mon épouse et moi-même. Ici c'est 14 Foxer Roméo, 571, l'opérateur donc Robert, mobile maritime, mobile fluvial sur la rivière Moselle, je suis sur un bateau de Provence, Rémi QSL. Ah oui, 100% QSL, mais la modulation de l'OM me dit quelque chose. Je sais pas si on s'est pas déjà copié, vous, en étant en fixe. Oui,
Ah zut, vous êtes complètement surmodulé. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que là, c'était bien parti. J'ai l'impression que je vous connais. C'est le prénom de l'OM, le QTH, ça me parle beaucoup. Eh zut, si vous, de votre côté, vous m'entendez, c'est pas gagné, c'est pas sûr. Bon, mais tant pis, hein, on est complètement surmodulé par un QSO qui vient juste là de s'installer sur la fréquence, sans regarder s'il y avait déjà du monde. Bon, ben tant pis, hein, c'est les aléas de la radio, c'est pas grave, on fait avec. Alors je vous dis, si vous m'entendez à la prochaine en fréquence, dans de meilleures conditions, hachis trois coups, et bonne balade sur le fleuve. Ouais, good morning USA. Jean-Claude de la ville de Blaye. Bon allez, faut que j'aille travailler un peu moi quand même. Là, ça grimpe. Hein. Et on est en AM. Good morning, USA, for France. J'ai pas beaucoup de chance de me faire entendre. C'est ça la propague, ça passe comme ça.
CQ, CQ, CQDX. Appel sur la fréquence moniteur des kilomètres pour 14 kilomètres 3301 opérateur Rémi qui lance appel en push arrêté depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Saint-Émilion. Rien compris. Désolé. Ayas Pink French seulement. C'est la folie, la folie, la folie. C'est assez propre, hein. Yeah.
Ah, j'ai zappé la fréquence. C'est con ça. Allez, 73 au tourné. Oui, David du Nord de France, les 73 à vous, de la part de 14 Kilo Mike 3301 Rémi, en push arrêté sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, en QTH Saint-Émilion. Hop, je suis en train de vous perdre en même temps de mon côté. Ouais, je disais les 73 à vous de 14 Kilo Mike 3301 opérateur Rémi sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, en push arrêté sur Saint-Émilion. Ok, ben c'est pas grave, je vais laisser la place aux stations qui passent plus fort. C'est pas grave, bon QSO à vous de votre côté, merci. Ouais, où ça? Allez, zut. Il y a toujours des râleurs là-dessus. Au lieu de profiter, ça y est, faut que ça râle. Les 73, il y en a qui en profitent pour râler, c'est hallucinant ça, un chi trois coups. Ouais, les 73 retournés, là je suis en push arrêté sur Saint-Émilion. Ok, merci, à plus. TKVX, looking for United Kingdom 26 Division, this is 111.
CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec-Canada. Appel en direction du Québec-Canada pour 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 2, 7, 3, 2, 5. 2, 7, 3, 2, 5. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en push arrêté depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, en QTH Saint-Émilion. Bon, je vais jouer les Calimero là. On m'entend pas, on m'entend pas, il y a trop de bruit. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et propose un QSY sur le 20, sur le 27 475. 27 475. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile arrêté sur Saint-Émilion, sud-ouest France. Ah, il y a déjà un petit QSY. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel et propose un QSY sur le 27565. 27565. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile arrêté sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, en QTH Saint-Émilion. Oui, il y a deux stations là qui m'arrivent. Les 73 à vous deux de la part de 14 km 3301 Rémi en push arrêté sur Saint-Émilion, le sud-ouest de France. Rémi, est-ce que c'est pour moi ce passe? Est-ce que ça passe pour le nord de France, la Normandie? Affirmatif pour la Normandie. Ok, retour de micro à toi, ça passe, c'est pas très violent, mais ça passe de mon côté. Les 73 au tourné de Rémi, voilà, Dandy 33. Hachi, je te donne mon QRZ local, puisque il n'y a pas très longtemps, début septembre, je suis passé là de ton côté. Ah zut, ça passe, je t'ai perdu, ça passe plus là de mon côté, zut, c'est dommage. Oui, pour le nord de France, la Normandie, elle écoute, c'est 20 km 3301 pour Emilio. Oui, Emilio, les 73 à toi, ça passe de, ça y est, ça repasse à nouveau. Il y a eu un petit passage de blanc, ça repasse à nouveau de mon côté. Les 73 à vous de 14 km 3301, Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33 en push arrêté sur Saint-Émilion. Enregistré du Nord-Ouest de France.
C'est très très compliqué de mon côté, il y a pas mal de surmodulation en même temps. C'est bon, j'ai à peu près, j'ai globalement compris. Ok, par contre là j'ai une autre station là qui a breaké là en même temps. Ouais, j'ai la Normandie, j'ai énormément de mal à vous sortir. Hein. Donc là ça va être un peu compliqué là pour faire le QSO, mais bon, le contact est confirmé, il n'y a pas de problème. Là je vous entends, c'est vraiment vraiment très très QRP. Là je suis en train de bafouiller, je suis en train de radoter, hachis trois coups. J'ai une autre station qui a breaké et je voudrais pas le faire attendre plus longtemps. En avant, la station de Nord-Est France avec les bandes 73 de 14 km 3301 Rémi en push arrêté sur Saint-Emilion. Oui, j'ai pas mal de trucs sur Internet, dont un gros forum, la planète Sibi francophone. Alors, il y a le forum, la planète Sibi francophone, il y a des blogs, il y a le groupe Facebook, la planète Sibi francophone, il y a aussi un autre groupe sur Telegram, la planète Sibi francophone. Je suis un peu partout, oui, affirmatif. Et YouTube aussi, YouTube également, avec toutes mes vidéos. Affirmatif, le CRT 7009 lui a basculé au QRA et là la seconde même je suis avec le attends, je suis en train d'écouter un truc, non c'est bon, et là la seconde même là je suis en train de moduler avec le président Lincoln 2+. Oui, j'ai tendu une oreille un peu dehors puisque là je suis au pro en même temps, hachis trois coups. Ok, pour l'antenne, ok, je vois très bien ce que c'est comme antenne. Par contre, le poste, là, j'ai du mal à voir ce que c'est. Là, à la seconde, comme ça, le poste ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est comme poste? Ok, merci pour le retour. Mais si vous êtes inscrit sur le forum, il serait assez intéressant que vous me mettez un petit message justement sur le sujet, sur le poste en question, parce que je suis assez curieux de voir comment il est. Parce que là, comme ça, bon, je suis pas un ordinateur. Là, j'ai un petit peu de... Ok, d'accord, c'est mon téléphone que j'ai entendu. J'ai un petit peu de mal à visualiser là comment il est le poste. Ouais, c'est très compliqué aussi de mon côté, hein. C'est pas mal surmodulé. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on se reparlera autrement, il n'y a pas de souci, sur le forum. Donc je vais vous laisser profiter de la propague, on va pas insister plus longtemps, c'est pas la peine. Et puis en plus, je suis au boulot, il faut que j'y retourne. Je vais vous laisser, merci pour ce petit échange, pour ce petit contact, merci à vous. Les 73 à vous, bon QSO, bon DX, profitez bien de la propague. Et depuis quelques jours, là, il y a le Québec qui passe en même temps, là c'est du caviar. Donc merci pour ce petit contact, c'est vrai que moi aussi, là c'est assez compliqué de mon côté. Merci à vous, bye. Ok, merci. Oui, la Normandie, c'est très très QRP, c'est très compliqué aussi. Hein. Les 73 à vous aussi, la Normandie, il faut que j'aille bosser un peu quand même. Merci à vous tous, bye. Oh là là, est-ce que c'est sérieux ça?
Ah, j'ai une attirance pour ici. Là. On peut faire mieux. Allez, je vais être gentil. Changer un petit peu côté propague. Ouais, peut-être pas tant que ça en fin de compte. Oh la vache! CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomètres en mobile depuis le sud-ouest de France, Saint-Émilion. Je vais y arriver. Il y a une espèce de QRM. Affirmatif, ça fonctionne. Je suis en train de rouler, je vais m'arrêter là pour changer de fréquence. Attends, sur le 620, d'accord. Ah non, j'arrive pas là. Ok, je suis là, les 73 à vous de 14 km, 3301 Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France de Saint-Émilion. Alors, petit micro, pas si petit que ça. Et s'il est aussi petit que ça, ben, il a rien à envier au grand, hein, au gros micro. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de chercher mes vitesses. Moi. Là, c'est une super modulation. Alors, ni trop grave, ni trop aiguë, elle est parfaite.
Là, j'ai envie de dire, je connais pas ta voix, mais j'ai envie de dire que là, il est super bien adapté à la modulation, à la voix de l'OM. Il est super bon. Ah oui, ni trop grave, ni trop aigu. Et il percute. Oui, il percute, il n'écrase pas, ça passe, c'est très propre, oui, il est vraiment très bon celui-là. Je suis ravi de vous entendre dire. Voilà, bon, je suis assez content de moi alors. Voilà, j'ai réussi mon captage, donc je prends l'opération, c'est réuni, non, c'est ça? Oui, affirmatif, autrement dit, dindy 33. Attends, je suis en train de traverser un village. J'ai un petit peu de QRM, le temps que je sorte de là. Autrement, oui, pour le prénom de l'OM, c'est Rémi, Roméo et Comac Yankee. Et le QRZ local est sur la Gironde, Dandy 33. Ah, ok, ok, ok. Oh, mais on s'est déjà compris il y a bien longtemps. Hein. Ouais, tout à fait, ça m'en vient. Mais c'est vrai que ça me parle aussi, hein. Surtout la modulation de l'OM, une modulation comme ça, c'est ouais, ça me parle beaucoup. Et pourtant, il me semblait pas que c'était aussi loin que ça. C'est, je m'étais, bon, peut-être que je vois pas les années passées, hein. C'est bien possible aussi. Hein, je suis trois coups. Autrement, moi là, dans le bush, côté micro, je suis avec le micro d'origine du poste. Le poste, ben, c'est un président Lincoln 2+. Voilà. Et côté antenne, c'est une Wilson 5000. Bon, j'ai un petit truc entre qui permet de pousser un peu plus quand même. Ok, écoutez, ça passe très bien. Mais, voilà, pour être en poussée, il ne faut pas voir les choses possibles. Bon, c'est un signe un peu simple qui est une bonne radio, mais là, vous voyez. Donc, comme vous voulez passer, bon, si vous voulez des bras, ça monte, ça baisse. Voilà. Ça me dit que vous me dites un petit peu de QLM, comme ça, bon, ça va, hein, c'est plutôt correct, hein, quand même. Hein. Bon, mais écoutez, mais je suis content d'avoir réussi à manger ce truc-là. Hein. Voilà, j'ai sorti ce truc-là des placards, hein, parce que, bon, il était parfait pour mettre sur un dégât. J'avais ça, j'avais sur un président Grant. Hein. C'est pareil, hein, le micro que j'ai de branché là sur le décamétrique, parce que bon, au QRA j'ai un Yazu FT450AT, voilà, qui est branché en fixe, et dessus c'est un micro CIMI que j'ai aussi dessus, hein. C'est un vieux PAN ECM 2018, voilà, qui lui aussi, hein, date des années 80, hein. Et dessus il marche super bien, quoi. Bon, après c'est une question de réglage, hein, c'est tout, hein. C'est faut surtout pas pousser, surtout pas sur un décamétrique, hein, là, de façon à pas saturer les étages et tout ça, il fonctionne super bien, hein, parce que vu les reports que j'ai eu avec, c'est que du bon, hein. Comme quoi l'association d'un micro CIMI sur un décamétrique, eh bien c'est meilleur, enfin c'est égal, voire un peu plus qu'un micro de décamétrique sur un décamétrique. Ah, j'ai trois coups. Ce qui me permet de dire ça, c'est que j'ai eu un micro à pied avant sur le décamétrique. Donc micro préamplifié pour décamétrique.
c'était aussi la Yasu, et c'était plat. Voilà, c'était assez plat au point que j'avais remis le micro d'origine pour le coup qui lui percutait plus. Alors c'est quand même un comble quand on met un micro à pied préampli de décamétrique qui marche moins bien que le micro d'origine qui était à main, quoi. Voilà, et quand j'ai branché ce vieux pan ECM 2018, alors là ça a changé, là. Ça a changé du tout pour au tout. Là. Et ben, du coup, je l'ai plus jamais sorti du décamétrique. Ce micro. Je dois avoir une montée de QRM. Pardon. Je suis en train de mettre regard en même temps. Je dois avoir une montée de QRM de mon côté. Là, c'est un petit peu plus compliqué là, pour vous sortir. Voilà, je suis en plein dans un autre petit village. Je me rallonge un petit peu la route pour entrer au QRM. Hein, histoire de rester un petit peu plus en fréquence avec vous. Hachi trois coups. Voilà. Alors, attendez. Parce que là, j'arrive à un stop. Ok. Voilà. C'est tout bon. Ok, voilà, et là je vais attraper ben, direction le QRA, c'est-à-dire Sainte-Colombe. Et voilà pour rappeler un petit peu où je suis. Voilà, ok. Bon, là pour le coup, là j'ai eu un petit peu de mal vu que c'était pas mal mélangé au QRM, mais ça a ses limites hein, aussi. Hein. Mais bon, je sentais bien que ça pousse hein, quand même au niveau modulation. Mais c'est très propre, hein, c'est vraiment très QRO. C'est vraiment. J'adore la tonalité de ce micro. Évidemment, là je suis persuadé que le micro va très bien avec la voix de l'OM pour avoir une qualité sonore comme ça, quoi. De toute façon, quand je suis en fréquence, que j'entends quelqu'un demander, vouloir faire des essais, des trucs comme ça, je ne suis pas le dernier à répondre. Hein. S'il y en a que ça dérange, moi au contraire, c'est à chaque fois c'est un réel plaisir de pouvoir rendre service comme ça, de pouvoir faire des reports comme ça là sur les ondes. Au moins ça permet à l'OM d'avoir à peu près une idée de ce que ça donne. Et là-dessus, j'essaie à chaque fois d'être le plus précis possible dans ce que j'entends, ce que je constate de mon côté. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Je me suis retrouvé déjà avec des OM où je ne savais pas trop comment leur dire au niveau de la modulation. Mais bon, au bout d'un moment, j'y arrive quand même un peu. Voilà, je suis en train d'arriver là sur le petit village où je suis, c'est-à-dire Sainte-Colombe. Là, je ne suis plus qu'à quelques centaines de mètres de QRA. Les bonnes 113 à vous, merci pour le QSO et bon gastro liquide solide. Et à la prochaine. Avec grand plaisir, merci d'avoir répondu, bonne soirée. Merci, bye.
mot trop aigu. Pour la petite comparaison. Même après l'avoir clarifié, c'est trop aigu.